En Belgique, il n'y a qu'une mer, celle du Nord. En cinéma, il n'y a qu'une plage, celle de Cannes. Et tandis que le festival fête 70 printemps, enfin, 70 printemps, les souvenirs viennent s'écraser sur les brise-lames de stand, là même où ce festival du film a bien failli avoir lieu, même si personne ne se souvient vraiment de cette histoire. Il y a 70 ans, c'est donc ici que n'a pas eu lieu la première édition du Festival de Cannes, puisqu'elle a eu lieu à Cannes. L'histoire bordélique du cinéma belge à Cannes peut se raconter comme celle d'une itinérance sans chemin tracé. Une errance à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fabriqué une histoire sans le savoir. J'étais convaincu que j'avais fait un très mauvais film. Je savais pas très bien où c'était Cannes, je savais pas très bien que la caméra d'or ça existait ni ce que c'était. Je n'en revenais pas. C'était la première fois que je prenais l'avion. On est tous partis, tous les figurants à Cannes. Il y en a qui n'avaient jamais vu la mer. Il y a eu une projection pour la critique, ça a été assez désastreux. Ça s'est très mal passé, enfin, j'y étais pas là. Et puis tout à coup arrivent les Dardennes et puis des comédiens, des comédiennes et une présence. Elle a environ 40 ans, la palme, et elle n'est pas trop oxydée.